pour contrôler à partir du PC, niveau du Wi-Fi, je vais me connecter. Donc, si je suis connecté sur un autre réseau, je vais me déconnecter. Ensuite, je vais me connecter sur Raspberry Pi. J'essaie de se connecter. S'il m'indique qu'il est connecté, maintenant je peux démarrer l'application JM BotJoy. Donc, on doit se connecter. Donc, ça, c'est l'adresse du robot. 1, 2, 3, 4, 5. Je me connecte. On me demande ici mon firewall. Donc, permission accordée. Maintenant, je peux voir par en avant, par en bas, d'un côté, de l'autre côté. Je peux cliquer à un endroit pour me placer, cliquer ou bien cliquer et traîner. Voilà pour ça. S'il y a une commande qui est actionnée, je ne touche plus. À l'intérieur, au bout d'environ 7 secondes, ça devrait s'arrêter. Ensuite, il y a le séquenceur. Donc, le séquenceur, c'est tout simplement une liste de commandes. Donc, la direction d'un moteur avec sa vitesse, la direction de l'autre moteur, sa vitesse aussi, et puis la durée. Donc, si je fais ça, on a le bouton en bas pour faire play. Donc, avec ça, on peut faire un parcours quelconque. Donc, pendant qu'on est en parcours, par exemple, il faut ici remettre Rewind au début. On peut stopper, continuer, stopper, continuer. Au bout de la séquence, on peut mettre en boucle continue ici. Donc, c'est marqué ici en bloc activé. Donc, à ce moment-là, il va rejouer continuellement la séquence. Voilà, stop, rewind. On peut éditer la séquence aussi. Donc, je peux faire par exemple, je peux l'enlever, delete. Ici, on peut aller par exemple 155, l'autre direction, l'autre ça en boucle. Boucle activée, ça je vois ça. Okay. On peut également, si je diminue ça un peu, on peut également, à l'aide d'un fichier texte, donc ici, vous voyez, si on regarde ça, fichier texte, avoir d'autres commandes. Donc, on peut se faire différentes figures. Figures, en fin de compte, c'est un parcours, peut-être un rond, un triangle, une face de Mickey Mouse, etc. Et puis lorsqu'on l'a, ensuite de ça, on peut juste la traîner ici. Donc elle va se rajouter. Donc s'il y a des espaces vides, bien sûr, on peut les enlever, mais ça ne sera pas tenu compte. On peut récupérer aussi plusieurs fichiers si on les sélectionne au complet. Donc si je les dépose, à ce moment-là, on voit qu'il y a figure 1, 2 fois, figure 2, etc. Donc à ce moment-là, si je fais jouer ça, on va faire un autre parcours. Le parcours qui est indiqué par toutes les figures qui sont là. Désactiver la boucle. Et on a les numéros de ligne ici qui sont exécutés, qui étaient la dernière ligne. Terminé.